un tournant sans doute pour le titre cet après-midi à Coubertin entre le champion de France, leader de la Ligue Immoli Star League et son dauphin Nantes. Toutes les deux équipes battues en Coupe d'Europe cette semaine, avec l'ambition pour les Nantais de réaliser le même gros coup, la même sensation que l'année dernière en venant s'imposer. C'est même impératif, sous peine de dire définitivement adieu au titre. Le croisé, ça va enchaîner. Très latéral, la course d'Emrich-Mien, avec le Schmalbeck derrière Toftansen. Oui, il y retourne, il a bien raison. Emrich-Mien avec un changement de rythme et une accélération derrière fatale pour la défense parisienne. Parce que ce n'était pas évident, hein, avec un grand gros engagement physique pour aller dans l'intervalle. C'est bien lâché de la part de Nelly Mouamili. Et surtout avec une énorme fixation de la part de l'arrière-droit parisien. Et le schwenker pour Nicolas Karabatic et le tir premier poteau face à Emil Nielsen. Une sortie de Toftansen pour empêcher la course de l'arrière-gauche dans l'intervalle. Voilà l'intervention de Vincent Gérard, décidément. Très bon depuis le début de la rencontre. Un vrai révélateur, hein, cette défense pour Thibaut. Oh, l'oubli, c'est bien fait. Très bien vu de la part de... Et le réflexe d'Emil Nielsen. L'accélération. Oh là là, le 1 contre 1. Il a été enrhumé, mystifié. Thibaut Aubryé qui a perdu ses chaussettes, son slip et le reste, hein, là-dessus. Regardez la vitesse d'exécution. Foufou. Il n'y a plus personne. Faute de Mathieu Grébi face... Oh, la grosse faute. Oh, il lâche le ballon. Il arrive à trouver Théo Monard de l'autre côté. Bah, écoutez, à cet âge-là, il aurait raison de s'en priver. Il aurait tort de s'en priver. Oui, c'est ça. Raison. Ballon perdu. Attention, les Nantais. Ah, ça va vite. Pas de gardien. Le retour, ça, c'est remarquable en backdoor. Plus efficace dans le jeu également. Là. Oh, quelle passe. Remarquable. Et le mouvement de Kamil Chipsak. Christophe qui a pris la place de Nedim Remili en position de tir, et ça va vite, ça va fort, le tir croisé, premier poteau. Dragan Pechmalbec pour empêcher Christophe de monter en suspension. Quelle passe, quelle passe. Très peu d'angle. Oh, remarquable, Mathieu Grébi, de la passe à la finition, tout était parfait. Regardez cette passe extrêmement rapide, et il faut ça, hein. Le retour tardif de Balaguer et le ballon lâché, premier poteau, petite roucoulette de Mathieu Grébi. Paris a le temps de construire, Karabatic le temps fort. La passe pour Ferran Soler au deuxième poteau. C'est ce qu'on disait. Oh, quel arrêt incroyable, Vincent Gérard qui a écœuré les tireurs nantais dans cette première période. Il reste 9 secondes, une éternité pour le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de la seconde période avec un net avantage en faveur du Paris Saint-Germain. Le plus gros, simplement, depuis le début de la rencontre. 19 à 15. Repoussé, Emrich-Mien sur l'intervalle, ça va mieux pour les Nantais qui reviennent à une longueur simplement sur ce début de rencontre de seconde période. Le bon retour de Thibaut Aubryé. Camille Lacour, grand connaisseur, super barré, souvent présent, hein, oui, bien sûr. Oh, remarquable, Emrich-Mien en appui. Ils sont malheureux, les Nantais, sur leurs initiatives, parce qu'il y en a énormément de situations. Michael Robin fait l'effort derrière, ça monte bien le ballon. Il a vu l'espace s'ouvrir, il n'a pas voulu y aller, il y retourne. Oui, cette fois, il y va. Au premier poteau, bien joué, avec de l'abnégation. Coup de rester en pointe haute, le pastis. Attention à ne pas offrir ce genre d'opportunité. Ce tir trop compliqué, la passe entre les jambes. Et derrière, Luka Karabatic qui redonne 3 buts d'avance. On parlait de ces opportunités à ne pas gâcher, surtout pour les Nantais. Attaqué sur le premier temps de jeu avec... Oh, les appuis, incroyable. Il est à ce joueur-là. D'abord, la très belle fixation de Mikkel Hansen, mais la capacité d'en remettre une couche. Personne. Attention à de la Bretèche qui n'est pas de solution. Ouais, deuxième ballon, Théo Monard. Et l'échec, ce ballon n'est pas touché par Vincent Gérard et termine sa course sur le poteau. Ce qui offre donc une touche en faveur des Parisiens. La séquence est très dure pour les Nantais. Ils se sont cassés les dents, alors il y aura un dernier rendez-vous de prestige face à Montpellier. La dernière passe pour le plaisir. Oh, le kung-fu exceptionnel pour refermer le couvert du producteur au consommateur.
l'exceptionnel Vincent Gérard, passeur décisif pour Benoît Kounkoud, pour terminer en beauté cet après-midi de tous les possibles, pour surtout s'offrir de manière presque certaine le titre à nouveau en championnat. Le succès du Paris Saint-Germain, 34 à 28, à nouveau. La machine parisienne a fait la différence, la meilleure attaque à dominer, des Nantais valeureux mais qui auront commis trop d'erreurs, notamment en seconde période. Paris assomme donc la Ligue Imoli Starlet.